Et bien là, nous avons musée d'histoire naturelle, pour que nous soyons capables de dinosaures là, nous avons des dinosaures, des tyrannosaures, des dinosaures nets. Et bien le musée d'histoire naturelle là à Londres, et bien oui, c'est ça que je présente aujourd'hui, pour que nous soyons capables de découvrir notre histoire de l'humanité. Histoire de l'humanité, volcan, éruption volcanique et tout sommet comme wildlife, la mer, tout bête qui vient. Et bien oui, musée d'histoire naturelle, l'autre là, c'est un petit peu musée d'histoire naturelle qui vient sur la terre. Et là, nous avons des dinosaures presque mangés dedans. Nous avons dit nous avons des dinosaures à manger, des dinosaures qui doivent manger. Qui est-ce? Et s'il y a la guerre, Kaline Luma, Kaline Saint-Illus, et bien oui, et Niki Durandis, Kaline Durandis, c'est mon papa, nous avons qu'à manger. Nous avons passé pour s'allier. Donc, nous avons dans l'ordre. De la visiter avec moi. Musée ça, c'est musée d'histoire naturelle. C'est un plus gros musée d'histoire naturelle qui vient sous la terre. Londres, capitale britannique, Londres en Angleterre. Donc, un musée d'histoire naturelle que nous allons visiter ensemble. Que nous allons voir tout. La première chose manger. Moi-même, ma petite, je ne peux pas manger. Nous, les donneurs et la Tivoli, nous aussi, par exemple, nous manger en Angleterre. Nous ne pas manger dans l'Angleterre. Nous avons des bagailles, nous avons des manger, on ne peut pas manger. On va manger Exilia, on va manger Patricia Sajous, Lissi Sajous, on va tout prendre Lissi Sajous. Ça ne va pas besoin qu'on va prendre. Déborah Titi, on va manger le dos. On va manger Déborah. Oui, dégage, on va manger Déborah. Là, nous sommes dans un musée d'histoire naturelle là dans Londres. Dans un musée d'histoire naturelle là dans Londres. Côté Zamba, nous venons visiter l'histoire, le monde. Oui, parce que le monde bon gros gros tonton histoire ou kabaron ça, mais son gros gros tonton histoire que le monde gagne, son histoire qu'il a depuis des millénaires. Oui, depuis des millénaires que l'histoire ça là. Là, regardez là, c'est même ça, c'est l'image probablement l'âge des dinosaures, ça c'est l'image donc probablement un tyrannosaure. Eh bien oui, ça m'a dit me sort, dit me la donne, et bien c'est donne là, voilà, c'est même donne là, tout ça gagne là. Là, nous avons un musée, donc musée d'histoire naturelle. Eh bien oui, à Londres, côté vous présenter Histoire le Monde. Eh bien oui, vous pouvez le voir, c'est un grand messie qui est là en Vonio. Eh bien oui, l'âge des dinosaures. Oui, les dinosaures, les tyrannosaures. Ils ont bien dit, ils sont sortis de la vie, ils ne pas manger seulement. Mais ils ne connaissent pas qu'à manger. Non, ils ne connaissent pas qu'à manger. Non, papa. Ils ne connaissent pas qu'à manger, ils ne connaissent pas qu'à manger. Ils ne connaissent pas qu'à manger. Non. Il y a mangé Exilia. Je commence à manger. Je mange Kaline Durandis, je mange Kaline Lima, je mange Niki Durandis. Puis je mange, je mange. Oui, oui, tu as l'autre temps de bêtes la lever sous vous. Oh, je songe Jurassic Park. Oui. Allez, pensez que je songe Jurassic Park. Je songe Jurassic Park, papa. Je songe Jurassic Park. Dans Jurassic Park, là, on est bête, on va manger et puis bête, on mange. Donc, elle est connue, on va le faire bête manger. Moi, je ne vais pas manger. Non, 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 moi-même, je ne vais pas manger. Non, pas quitter bête manger, non, bête pas gagner doit manger, non. Oui, bête pas gagner doit manger, non, non. En tout cas, depuis que nous avons eu l'occasion de l'assemblée avec un côté des dinosaures, oui, c'est musée d'histoire naturelle. Oui, Natural History Museum. Natural History Museum. T'as dit tout, oui. Alors, quand il est imposant, oui, quand il est vraiment imposant, hein. Et quand elle a des couleuvres, elle semble la couleuvre, elle semble la couleuvre, anaconda. Par contre, si nous voyons son ligne bien longue qui vient dans le musée. Alors, par contre, ça fait ça longtemps en Haïti, l'école, il était qu'on fait Timon dans le musée en pile pour apprendre le monde, pour apprendre la vie, mais malheureusement, il n'a pas fait ça. Alors, tout bas, elle a tout. Ça fait éducation en Haïti, baisser tout. Elle n'a pas parlé à toute éducation, et ça, tout. Oui. Est-ce qu'on imagine que je suis dans le pays, je suis dans le musée pays? Oui, parce que je suis professeur. Maman, je suis professeur d'histoire. Je suis sorti dans la famille diplomate. Donc, je connais en même temps que je suis en culture. Je connais que je suis en belle culture générale. Je connais que je suis en pays, pour mon pays. Et bien, je suis en train côté histoire pays à fait. Ou imaginez, eh bien, oui, je prends un petit monde pour mener dans le musée chaque côté au passé. Donc, ce n'est pas seulement des souvenirs, belles plages, non, je suis en train de pays, je suis pays. En pile, monde toujours étonné, je parle de pays. Yo. Mais c'est normal, je parle de pays parce que je connais pays. Yo. Oui, je connais pays. Yo. Alors, pour entrer dans le musée, le premier bagage, je mettais dans la logique pour moi. C'est le shop là. Shop là pour acheter donc. Oui, des souvenirs, des produits dérivés. Ça, c'est... Nous devons penser, il a parlé de musée. Nous devons penser, son petit bail, jouet lié. Non, musée à bail comme. Chaque jour, je me dis, je ne comprends pas comment faire un musée Toussaint Louverture en Haïti. Pour volume, on sur la terre, remet Toussaint Louverture. Pour volume, chef d'État qui a parlé de Toussaint Louverture. Pas un musée Jean-Jacques Dessalines en Haïti. Ça veut dire, en Haïti, il y a un pays pour les gens qui ont voulu. Nous l'avons bien regardé.
parce que nous va honorer moun, c'est bon pays pour moun ta gomme voler parce que nous va honorer moun mon cher. Non, nous va honorer moun. Kounya connaît donc tout ça aussi des produits dérivés. Il y a vendre donc des produits dérivés qui les mêmes de représenter histoire le monde. Donc musée d'histoire naturelle donc il y a vendre des produits dérivés dans le musée donc histoire naturelle là. Et nous même nous va remettre tête nous. Non, nous va remettre tête nous. Nous ne sommes pas comme tout, on peut dire ça bon ici que nous ne sommes pas comme. Mais nous-mêmes, nous comptons passer, nous ne sommes pas comme. Mais non, nous ne sommes pas comme. Si tu es comme, bon jour, tu as fonctionné. Nous ne sommes pas comme. Si j'ai une soif de l'eau, je vais changer mon bon titre. Oui, ben méchant. Ça, c'est une plus grosse collection. Donc, musée d'histoire naturelle donc, qui gagne. Et. Sous la terre. Alors, pièces là sont pièces qui sont extrêmement rares et importantes. Et ça fait le sous vide, blendé. Oui, ça c'est dinosaure, Mantellosaurus, Arthur, Phil, Deinensis, qui ont été découverts en 1914. Eh bien oui, sous Zilly White là, ils ont été découverts. Donc ça c'est dinosaure, ça. Alors après, son activité familiale, mon Dieu, sorti avec petit yo, venez garder les amis. En Haïti, il y a un gros tonton. Musée, je songe l'école où tout le monde petit. Il y a faut aller dans Panthéon pour aller connaître l'histoire avec vous. Il y a faut dans Saint-Pierre là. Mais quand il y a là, on presque dit tout et mon yo pas vivre en Haïti, ba misé ou ta connaît. Mais yo pas vivre, ba misé ou ta connaît. Alors dans musée, on vient regarder en pile squelette. C'est la misoé, ça. Ça est Sea Dragons. Un poisson, regardez. Bab. Eh bien, je dis amenez-nous dans le musée. Hein. Alors, activité ça, il n'y a pas grand pile de monde qui a regardé. Non, mais c'est des activités qui sont en pile culture générale. Ah oui. Et en pile fois, c'est pas oui, oui, non seulement gagner, ça. Fort éducatif tout. C'est des activités éducatives, activités ludiques où tout le monde est là, presque où il y a des gens avec eux. Chercher. Après, l'on a étonné, on a dit, mais il y a qui ça a été, mais si mon Haïti a été, c'est celle gang nous balie comme exemple. C'est celle gouillade là seulement nous balie. Non, il ne va pas vivre seulement de gouillade. Il ne va pas vivre de gouillade là tout. Il ne va pas vivre seulement de gouillade là. En pile fois, nous regardons, nous avons une équipe gouetcho. Eh bien, c'est normal pour gagner gouetcho. C'est seulement ça, seulement gagner. C'est ça, on produit. Si c'est des lèvres qu'on veut produire, on produit des lèvres qu'on finit. Oui, c'est des lèvres qu'on produit. On produit des lèvres qu'on finit. Là, on a montré un bon oiseau. Donc, là, on a montré un bon oiseau. Dans tout musée, il y a une boutique. Il y a une boutique, donc il y a un magasin qui vend des produits dans tout musée. Il y a une boutique, donc il y a un magasin qui vend des produits pour les gens qui peuvent faire l'âge. Et comme ça, alors là, ce sont ce qu'on appelle les pierres rares. Pierres rares, c'est eux-mêmes. Et les bastanazites. Eh bien oui, il y a servi les monazites, parisites, pour mettre dans l'ordinateur. Donc, terre rare, yo, et c'est eux-mêmes. Ce qu'on appelle les pierres rares, eh bien, c'est eux-mêmes en même qui ont servi. Eh bien oui, pour mettre dans l'ordinateur, pour mettre dans le microprocesseur. Là, on a un musée d'histoire naturelle pour qu'on ait qui change les mondes évolués. Puis le grand nec by collection, par exemple ça est Charles Penn qui by collection. Puis après le dégain, vas-y sort là son paquet là, donc il by collection puis le dégain. Herbert Church tout by collection que le dégain. Charles Matthews by palio. Ça a été un peu le monde donc by collection le dégain. Queen Mary avec Elizabeth Taylor. En plus, vous connaissez Elizabeth Taylor, surtout mesdames, et bien, vous avez une collection. Ni Queen Mary, ni Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, c'est une actrice. Alors, actrice ou actrice? Je dis actrice, désolé. Eh bien, oui. Princess Diana, tout, by une collection par là. Princess Diana, qui est comme dans le PLGM, vous voyez ça que vous avez là, par exemple. Mais vous, Princesse Diana, bah, il parle de tout. Reine Elisabeth II, bah, il n'a pas lieu tout. Fat Alisha, qui
qui lui-même t'a pour diriger Iran tout et gagner la Tourelle. Il y a un musée d'histoire naturelle. Ça c'est explosion qui fait ça ou les volcans. Il y a un cap gardé, éruption volcanique qui a fait lave. Eh bien oui, volcanique hotspot around the world. Au gain Germain et en Allemagne, en Irlande, en Algérie, en Éthiopie, Cameroun, La Réunion, évidemment Samoa, évidemment Sainte-Hélène, Tristan, Galapagos en Grèce, Cap-Vert, Canaries, au Yellowstone dans aux États-Unis sûrement. Cobb, c'est aux États-Unis, Hawaï, toujours aux États-Unis, Tahiti, Mister Louisville, ah oui, vraiment. Pour mon cap chercher comprendre bah yo ouais un volcan dis mon là un volcan là ouais t'as les volcans viennent éclater là viennent bon problème un petit moment wash yo un petit moment un moment pour ça ouais ça obsidian un moment dis mon pour moi t'as un volcan de glace c'est vrai. Il va faire mentir, non? Il va faire mentir. J'ai bien dit, donne la sorte, il va faire mentir. Moi, je me dis, nous allons aller sur la terre pour moi. Et pour papa, mieux, papa, mieux, bon Dieu. Ah, facile, c'est bon. Ça y est, la tectonique des plaques pour mon qui a fait tremblement de terre, c'est facile. Oui, ton mérite est passé de tous côtés en Haïti, nos victimes de ton mérite déjà. Nous avons un pile, belle et. C'est mon Dieu apprenne, c'est mon Dieu content là. Haïti Butterflies, Haïti ceci, mon baconnant, il y en a ça où est. Nous sommes en train de battre clé. Et de la joie. Comme de faire contre toute bête ça. C'est mon contre toute bête qui gagne, moi je ne pas. Dis-moi, je ne pas faire kindergarten là même. Non, bah oui, les kindergarten, je ne pas faire ça. Les vegetarians, ça c'est meat eaters. Mais ça, c'est mon bête qui vit vraiment, moi là. Mangez blanc. Allez, 1000 pieds. Oh, ça c'est exilia. Ah, et locus soi, mais ça exilia, ça semble exilia la guerre. Mais disons, non, mais ça semble exilia. Problème, ça. Ça me sort que ça y va, ils ont comme un souci sans nous. Oui, un souci sans nous. Oui, un souci sans nous, allez me connaître. Ah, et blood soccer, ça y est ça pour que ça y est blood soccer, ok, ok. Oh là, il a fait manger, il prend son animal, il a mis sur le cabo maladie. En tout cas, il n'a pas appris, il n'a pas appris. Il n'a pas appris de choses, il n'a pas appris de choses. Et lui même lui remercie tout le monde qui a appris de choses, Bill avec Melinda Gates. Caroline Stephen Bott, toute fondation qui est au bagay, The Hens Family, The Wofford Foundation, oui, mon qui est au bagay. Les gros bagay, il y a des noms là. Ou bien bagay, il faut bagay mon bagay, ou bien bagay. Ou bien bagay, intéressé, bagay mon bagay. Chaque coin de bagay, ça, ou bien des stores où mon acheté. Aïe, de l'argent, oui. Chaque coin, ça, ou bien des bagay où mon acheté. Oui, vous l'avez embrassé. Fait l'argent embrassé. Ah, c'est des mammifères. Donc où est bête là, où est l'homme, non, où est aux amis, où est aux familles. Donc c'est des mammifères. Oh, ça est bête qui semble avec Linda, venez, oui, venez.
Oui. Je suis un peu de la soupe, je suis un peu de la soupe. 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 Mais ça semble avec les baptisants, hein, semble baptisant. Comment les qui fait émission encore? Les amis qui fait émission, hein, oui, oui. Journaliste, il dit, hein, semble avec. Eh, bah, il y a un peu de l'homme, non? On a couru net. Comment c'est couru? Extend giant. Diprotodon, ça, son diprotodon, oui, on dit protodon. On dit protodon. On dit protodon. On théâtre, on théâtre, on théâtre, on théâtre, on théâtre, on théâtre. Et au même temps, il dit, c'est Amadilo, oui, Amadilo, par les mongols. Flying mammals, ça veut dire qu'on a volé. Ça est fox. Colugo. Mais ça me dévoile, oui. Bah, je vais y aller. Pangolin. Dogs, Thai fox, wolf, MCO, un jaguar, un lion, ça est tiger, lion a t'il semblé, oui. Lion a gagné plus ses cheveux sous tête, et puis forme tête, il va même la forme tête tigre là. Mais lion a t'il semblé en ville, oui. Petit glaçon mi pi bay petit pi méchant gèlè birds panda un carnivore géant polar bear. Regardez bagaille, oui, regardez exilé, ça est Walbo, ou on veut qu'on est, oui, ça c'est Gisali. Mon qui pas connaît, mais donne-en, il faut côté là, oui, les ça, il n'y a pas connaît, non, mais les mots, comme fait connaître, tout là, il me connaît. Oui. Ça, son pygmy hippo, un pygmy hippo, un pygmy hippo, pygmy hippo, pygmy hippo, dans un an. Là c'est Tibet, oui, Tibet, research tool, parlez de ça. Briozoa, Briozoa, ça y est, Brachio, Brachio Bouda, comme je dis, comme je fais, vous avez vu des femmes, des mouna, des lida, oui, oui, moi, vous avez vu des femmes. Statistiques, scénaria, ça semble au cerveau, le tacordina, attendez, on est capable de faire recherche, allez, bon, prenez-moi, je vais mourir là, non? On fondia. Je connais qui plein tête mon la calie. Je connais qui plein tête mon la calie. Comment il est encore?
Ben oui, non, les amis, nous connaissons, oui. Quand on est là encore, il y a non. Il y a un défait avec Paret, là, qui dit, mais est-ce lui? Il y a un qui est-ce qui est tête moi, bon, défait, bon, bap, mêlé, et bap, bon, deal. Là, c'est dans le local, donc, musée d'histoire naturelle, là. Vraiment, c'est une belle, belle expérience. Eh bien, oui, à Londres, c'est une très, 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 très belle expérience. Pour toi, apprendre, donc, histoire, l'humanité, je suis capable de dire, ou apprendre ça, le monde gain. Et tout ça, le monde gagne net, c'est vraiment très, 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 très beau. Ah oui, Londres. Alors, c'est vraiment un pile, un pile, un pile, le monde qui vient dans le musée. Et, imaginez, et, ça n'a qu'à faire le musée pas nous. Mais malheureusement, et, nous n'avons pas une intelligence émotionnelle, vraiment émotionnelle, pour nous tirer le meilleur parti possible de la situation. Ça. Et nous avons une intelligence émotionnelle pour nous tirer donc le meilleur parti possible des situations pour réaliser ça. En tout cas, c'est le musée donc, d'histoire naturelle à Londres. Et c'est là donc que nous présentons. En tout cas, nous avons une belle expérience. Et nous nous trouvons à Londres en Angleterre. Et je vous encourage à visiter le musée d'histoire naturelle là. Sous ma gagne pour après-midi. Et on dimanche après-midi peut-être, avec un samedi après-midi avec les familles. Ou quoi faire pour vous ça. Je dois faire une donation à musée, mon papa est pointé dans le musée. Et bien, intéressé à visiter le musée, on va apprendre l'humanité, on va apprendre pour le pays, on va apprendre pour ça, pays à pays, on va apprendre pour la réalité mondiale, mondiale qui vient des milliards d'années. Et bien, oui, en tout cas, c'est belle, c'est belle, c'est une très très belle expérience.